Bonjour, Isa du 33. Alors, je suis pas toute seule, alors ce sera pas pareil. J'espère que tout le monde va bien. En plus, il fait beau en ce moment. Alors, je vais faire un méga haul d'action parce que j'y suis allée plusieurs fois. Donc, en fait, j'allais pas faire des hauls pour 3 ou 4 achats. J'ai attendu d'en avoir plusieurs pour faire un gros haul. J'ai pris la boîte, vous savez, la Huchapin. Elle est vraiment très très bien, elle est bien profonde. Donc moi je l'ai déjà installée, donc je ne peux pas vous la présenter. Et elle ne coûte que 9,90 € quand vous voyez dans les autres commerces où c'est quand même relativement cher. Enfin bref, donc là j'y suis retournée. Je nous ai pris les fameux verres. Alors ils ne sont pas du tout en promo, chose qui me semblait avoir vu les verres en promo. Ben non, mesdames, ils ne sont pas en promo. Donc là, on en a 6, ils passent au micro-ondes ainsi qu'au lave-vaisselle. Et donc, eh bien, les verres à eau, voilà. Bon, on en a 6 pour 1,50 €, ça vaut le coup. 6, 1,50 € quand même. 6 verres, quoi. Vous allez à Super U, les 6 verres, vous les payez 10 balles. Donc j'ai repris la fameuse balayette que j'ai cassée moi-même toute seule, comme une grande fille. Vous savez, celle-ci, comme je vous savais que j'ai très mal au dos. Alors, on a la balayette. Moi, la balayette, je m'en sers pas. Je trouve que ça sert à rien, la balayette. Vous savez, c'est ce poil-là que j'aime pas. J'aime pas du tout. En fait, ça balaye que dalle, quoi. Alors, elle est sympa. Hein. Ça, c'est cool. Ça, alors là. Moi, celui qui a inventé ça, je lui ferai un gros bisou. Ça, vraiment. Voilà. Et voilà. Elle est à 3. La balayette et la pelle, non, elle est quand même à 4 euros. Elle est à 3,99 €. Elle est un peu chéros, mais bon, on s'en fout. Pour les filles comme moi qui avons mal au dos, c'est parfait. Alors, j'ai pris ça. Je vais changer ma poubelle parce qu'elle est pourrie. Donc, j'ai pris celle-là. Elle a 2 compartiments. Oh. Donc d'un côté, ben, vous pouvez mettre, enfin, si vous faites le tri, hop, elle est sympa, hein? Elle est assez grande. Allez. Et vous avez, si vous faites le tri, vous avez donc les 2 compartiments. Je suis une très mauvaise fille, je ne fais pas le tri à chaque fois. Donc, alors la poubelle, je vous l'ai dit, hein, la poubelle, elle est à 9,95 €, c'est pas cher. Donc évidemment les poches poubelles. Alors moi je prends toujours les grandes. Hein. Et je les prends toujours à Action. Pourquoi? Parce que quand on voit le prix, une poche poubelle reste une poche poubelle. Ça va à la poubelle. Donc je ne comprends pas qu'on nous fasse payer aussi cher des poches poubelles. Moi ça c'est un truc. Bon, j'ai pris des piles comme ça parce que je voulais remettre des montres. Et elles se sont toutes arrêtées. Alors je me demande si elles sont bien ces piles finalement. Bon, c'est du grinding. C'est quand même. Une grande marque, le Grandin. Donc, on verra. Donc, ça, c'est la partie voilà, que j'ai faite, comme je vous ai dit. Il y aura 2 parties. La balayette, hein, 4 euros, je vous l'ai dit. Ah, oui, les piles, elles sont quand même à 4 euros. Bon, après, on en a beaucoup. Hein. Et après, c'est quand même une grande marque, la marque Grandin. Donc, je ne comprends pas. Mon eyeliner, ben, il est foutu. Il sent une odeur. Donc, je vais le jeter. J'ai repris celui-ci. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il était au rayon à 0 et quelques. Et finalement, il est. Ah ben non, il est passé à 1 euro. 1 euro, les filles. 1 euro. Et il tient. Il tient jusqu'au soir. C'est ce que je mets moi, de toute façon. Alors, j'ai repris des masques parce que j'ai fait une. J'en ai trop utilisé ces derniers temps. Donc, j'ai pris celui-ci. Je le trouve rigolo. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 dedans. Ah non, il y en a 5, carrément. 5. 5. Par contre, vous avez les 5 masques. Ou je ne me rappelle plus. Imprimés, voilà. Les 5 pour 1,29 €. Alors, ok, ce n'est pas des PP2, mais bon, pour ce qu'on a à faire, hein, mesdames, on s'en fout un peu. Donc, voilà un des achats que j'avais fait. Donc, comme je vous ai dit, je voulais attendre pour ne pas faire 3 bricoles. Alors, par contre, j'ai pris. Ces coussins, alors moi ils vont pas aller dehors parce que j'ai un chien qui est con quand même long et qui va me les bouffer, donc je ne peux faire aucune décoration extérieure. Et quand je vois les décos qu'il y a, c'est vraiment super beau quoi. Donc ça va aller dans le salon.
sur les chaises en paille. Alors j'en ai pris trois, à savoir quand même qu'ils sont à 3 euros le coussin. Donc comme je vous ai dit, c'est ceux qui vendent dehors. Hein. Alors ils sont lavables. Faites-moi voir. Oui, ils passent à la machine. Ah non, putain, non, attention. Oula, les filles, je déconne. Non, il faut les laver à la main. Oh. Moi, je testerai la machine. Je me connais comme si je m'étais cousu, mesdames. Bon, on va le laisser là. Alors après. Et vous savez quoi? Je vais tout renverser. Et voilà. Donc, je me suis repris, puisque vous savez que je fais mes ongles en gel. Donc, celui-ci, il est bien, parce que ben, il n'y a pas d'acétone. Donc, comme vous le savez, c'est celles qui font les ongles en gel. Même le... Faites gaffe avec les vernis permanents. Si vous voulez l'enlever, à la limite, oui, vous prenez avec de l'acétone. Sinon, si vous avez fait déjà, admettons comme ça, un peu rose, et que vous mettez après du vernis, parce que vous en avez marre du rose, vous voulez mettre du vernis, nettoyez vos ongles avec du sans acétone. Le sans... Ah, la boîte à bambou, voilà, ça je vous l'ai dit. Le dissolvant, il est à 1 euro. Sachant que celui de Lidl est à 2, voire des fois 3 euros. Et c'est la même quantité, c'est les 250 millilitres. Donc, allez à Action, c'est exactement la même chose. Alors, je l'ai trouvé, enfin. Alors, elle fait très foncé. Donc, moi, je ne m'en servirai pas pour toute ma figure, mais surtout pour faire les... vous savez, des fois, pour creuser un petit peu, je m'en servirai pour ça. Et alors, moi, les filles, je l'ai trouvé, ça, là, à 2 euros, je crois, hein. Les coussins jardin, mais ça je vous l'ai dit, c'était 3 balles. Ah non, ah oui. J'avais pris aussi un coussin de jardin, donc une, comment on appelle ça, vous savez, les carrés. Hein. Les carrés, et je l'avais payé 1,76. Mais non, les filles, je déconne. Hein. Non, ils sont à 1,76. Et pas à 3 euros. 1,76. Et foncez, les filles. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Le truc, là, le bronzer, là, il est à 2 euros, 1,99. L'appareil. Hein. Vraiment, ouais. Alors, vous savez que j'avais perdu mes rouges aux lèvres goût chocolat. Donc, mais j'ai repris celui-ci. Donc, on a, dans le 33, vous avez le numéro... mais je vois pas. Ah oui, on a le 860. Alors c'est le plus clair. Et ils ont vraiment goût de chocolat. C'est vrai en plus. Et ils tiennent super bien. Et le 858. C'est les seuls que l'on a. Si vous y allez, les filles, il n'y en a pas d'autres. C'est les seuls. Enfin, moi j'aime bien, j'en mets beaucoup, donc j'adore ça. Bon, j'ai pris des stylos, mais ça, voilà. Ici, on est toujours à la recherche des stylos, donc je vais faire un truc pour Fabrice. Des assiettes en carton. Alors, vous allez me dire pourquoi. Quand je pèse ma nourriture, toutes les assiettes n'ont pas le même poids, et je trouve ça chiant, quoi. J'ai pas de calculatrice, là, à côté de moi, donc, c'est, admettons, elle pèse 456, mais moi, il me faut 150 grammes, ou ça, vous voyez, de nourriture. Donc, ça m'a un petit peu saoulé. Donc, j'ai pris ça. J'aurais moins à calculer. Et puis pour mes petits chats. Celui-ci, il est à 100% Yuka. Donc il est vraiment très très bien. Moi je vais le faire peut-être tantôt ou ce soir, je ne sais pas encore, je verrai. 79 centimes, il coûte que dalle. Évidemment, j'ai trouvé des post-it. Et les post-it... Les post-it sont quand même à 1 euro. Mais bon, écoutez. Hein. Le rouge aux lèvres est à 2,95 euros. Ça va. Et j'ai pris ça parce qu'elle a dit que c'était bien. Donc moi, je vais tester. Vous savez que j'ai la peau très sèche. J'essaye des tas de crèmes. La meilleure que j'ai trouvée, je vous ferai une vidéo dessus de toute façon. C'est celle de... Alors, je vais dire le nom. Je ne sais pas si j'ai le droit. C'est Shogun. Celle qui sent le melon. Elle le sent très très bon. Après, on sait que c'est vegan. Et franchement, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Donc, je vais la finir tout de même et finir après celle que j'avais entamée à l'oléo vera.
J'ai pris ça pour mes chiens. Alors, je sais, vous allez me dire, il faut que machin, bidule, chouette, je m'en fous. Moi, mes chiens, ils aiment ça. Et ils n'en mangent pas toute la journée. C'est à base de poulet. Alors, je vais leur donner. Au lait. Si j'arrive à ouvrir. Okay. Alors, je vais vous montrer au lait. Au lait, viens là. Pas qu'il me casse le truc. Je sais pas si vous le voyez pas. C'est un malinois. Et derrière, c'est mon petit pacounet. C'est un parson russel. Je sais pas si vous le voyez. Ah, oui, vous le voyez. Voilà. Donc, voilà. Et ils savent que quand je reviens des courses, surtout d'action, ils savent très bien que je ramène toujours des bonbons. voilà, les filles. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je prendrai le temps aussi de faire une autre vidéo sur Noz. Il y aura beaucoup plus d'articles. Pourquoi? Parce que c'est nettement moins cher. Mais d'autant que j'y suis allée 3 fois et j'ai jamais tout défait. J'ai tout gardé dans des poches. Mais comme je vous ai dit, j'attends. Ah oui, j'ai pris ça. Pour mon téléphone, pour le protéger. Donc Fabrice va se faire un plaisir de me le mettre. Et cette vitre-là. Ouais, non, mais elles ont l'habitude. Tu la bois pour un rien, on le sait tous. Donc, comme je ne refais pas de vidéo à chaque fois, au début je faisais, maintenant je ne fais plus. Ça vous surprend, mesdames, hein, mais c'est comme ça tout le temps. Ah, puis le pire, c'est qu'il n'y a personne. À la limite, un papillon ou une chenille, je ne sais pas. Voilà, et l'autre, ça le fait rire. Bon, allez, je vous fais un bisou. Portez-vous bien. Sachez qu'en partant du magasin bio ce matin, que je suis passée devant Action, et qu'est-ce qu'il y avait? Le gros camion de livraison. Mais moi, je n'y retourne plus, puisque d'abord, j'ai besoin de rien. Et si je dois y retourner, ce sera certainement bien après le 19, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, j'ai tout. J'ai les poches poubelles. Non, non, j'ai tout. J'ai les verres. J'ai vraiment tout ce que j'avais voulu. Gros bisous, bisous, et à très, très, très vite pour un autre... haul, mais cette fois-ci, je vous descends, les filles. Ça sera un haul Noz. Et puis après, peut-être ma life un peu de temps en temps, quand même. Bisous, les filles.